Tu te demandes comment je fais pour tenir? Allez hop, un café, un bout de gâteau au chocolat, un café. Troisième café depuis 6h30 ce matin, avec mon premier gâteau au chocolat. Tout ça pour te préparer l'Astro Business. Non mais franchement, Baptiste, tes gâteaux sont trop bons. Ça fait un bien fou fou fou. Ce chocolat, ce gâteau. Bon, faut se concentrer. Il faudra se préparer. On va essayer de se maquiller pour avoir bonne mine, comme dirait ma grand-mère. Mettre du troncouillon. Bon, là vous êtes dans ma cuisine. Derrière le meuble que vous voyez, c'est un meuble qui appartenait aux grands-parents de ma grand-mère. Super vieux, mais il tient le coup. Puis quelques mangues là, parce que il va falloir un peu d'énergie. Hein. Ah tiens, je vais peut-être faire un petit meal check. Bon, allez, c'est pas tout ça. On se concentre Ok, on massage, prépare l'astro. me mettre en méditation pour pouvoir lâcher prise avec tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est quand même assez compliqué. Me mettre dans ma bulle de connexion, dans ma bulle, dans cette atmosphère dont j'ai besoin de lâcher prise. Et je te prépare l'astrologie. L'astro business, c'est pour le groupe des filles ou des garçons, pour voir où on va, où on ne va pas. Est-ce qu'on va aller vers ce chemin, ce rond-point avec ce gros mur devant nous, tout sombre, je ne sais pas. Mais en tout cas, team Sagittaire, team bonheur, comme dirait Paulette, on garde le moral. Lâchage de prise, méditation avec la super musique et les super voix de Cédric Michel. Et puis après, bah, je te ferai peut-être un direct si le téléphone fonctionne ou un enregistrement pour notre Astro Live. On parlera des énergies, on parlera des astres, on parlera de planètes. On va honnêtement se focaliser, on va faire focus uniquement sur toutes les planètes positives. Ce qui est négatif, je pense qu'on le sait déjà tous. Bon, bah, je vais aller me maquiller, essayer de me coiffer un petit peu. Je te dis à tout à l'heure. Je sais pas si je vais pouvoir te faire une vidéo de comment je fais ma méditation avec la sauge pour lâcher prise, pour évacuer tout ça. Ce matin, j'ai fait ma marche, 20 minutes de marche, 6h30 du matin. Il fait nuit, il fait noir, c'est super, il n'y a personne. Les énergies sont à peu près neutres, ça c'est génial. Et puis, bah voilà, café, on emmène certains ados au bus ou chez leur employeur pour ceux qui sont en apprentissage. C'est aussi ça d'être famille nombreuse, c'est que pendant que j'envoie je bois mon café, j'envoie une machine à laver linge, toutes les mamans me comprendront. C'est pas parce qu'on fait du digital job, digital voyance ou digital astrologie qu'on bah voilà, on est aussi at home, on est ici à la maison. Et donc, bah, comme toutes les mamans le savent, hein, on fait plein de choses en même temps. Donc ça y est, ma machine, elle est partie. Je dis, il va y avoir une petite tournée de linge. Donc il y a deux machines tous les jours hein, quand même. Et puis bah après, on lâche prise, on n'est plus maman, on n'est plus dans cette énergie actuelle. On se met notre pantalon, enfin je me mets mon pantalon massage, mon t-shirt favori et je vais lâcher prise pour vous préparer votre astro business. Allez, on garde le moral, ciao! Les amis, bonjour et bienvenue ici. Je suis Marie-Laure Perron. J'organise de temps en temps des petites vidéos en live et on me demande souvent, mais comment tu fais pour pas péter un plomb? Alors voilà mon petit rituel du matin. C'est ici, je me détends, je me relaxe et surtout j'écoute monsieur Cédric Michel. Je vous mets en lien sa chaîne YouTube, c'est vraiment génial, ça fait un bien fou. Il a une voix qui a une sensibilité et ça me correspond tout à fait. Et puis je fais aussi le lundi et quand je le ressens. Je me mets en mode méditation et puis je me fais un nettoyage avec mon bol tibétain. Je me reconnecte. J'évacue. Je laisse
aller les vibrations filtrer à travers mon corps. J'ai ce besoin de me reconnecter et d'être nettoyée pour pouvoir mieux travailler en astrologie, mieux ressentir les astres, les planètes, même si l'astrologie, ça s'apprend, même si on est... c'est une étude, c'est plein de choses, mais ce besoin extrêmement important à mes yeux de nettoyer avant de me connecter pour pas être polluée avec tout ce qu'il y a autour. Écoutez, le son est complètement différent. Ça, je le fais pendant 15-20 minutes. Donc, je ne vais pas vous amener avec moi vers cette connexion, puisque c'est intime aussi. Et pour nettoyer le lieu, pour me sentir encore plus dans cette sensation de purification, voilà. Comme vous le savez, j'utilise la sauge blanche. C'est pour moi un besoin de me nettoyer et de me reconnecter à toute cette énergie qu'il y a autour de nous pour lâcher prise et pour être au maximum dans cette énergie, dans cette force. Alors, je vous dis, on fait l'astro business, on va être détendu, on va être bien. J'espère que ce côté un petit peu secret de comment je fais, voilà, pour vous montrer que je suis tout à fait normale et qu'il n'y a rien de... J'ai pas plus que vous de choses, j'ai juste, comme vous, le besoin de me déconnecter à ce qui se passe autour de nous. Et attention, parce que cette semaine, ça va chambouler énormément. On en reparle en astrologie. Merci à vous. Allez, on y va, c'est parti!